My name is Keith Pierce. I'm the Canadian culinary athlete representing Canada in the Bocuse d'Or 2025. So for tonight's event, my first boucher, I'm making a beef tartare cone inside, and then on top you have a mushroom ketchup, a shaved truffle on top, and a little bit of fresh dill. So you have classically made beef tartare, mushroom ketchup, a little bit of umami, and then some earthiness from the truffle and freshness from the dill. It should eat well together. So for my second boucher, I'm making olive tuile with whipped ricotta, marinated cherry tomatoes, a little bit of freeze-dried balsamic, and some micro basil on top. So you have a little bit of fattiness from the whipped ricotta, some nice acidity from the freeze-dried balsamic, and it should pair nicely with the fresh tomatoes and micro basil. Bonjour, je m'appelle Olivier Poitier, je suis chef propriétaire de chez Poitier et je suis aussi l'athlète culinaire pour la Coupe du Monde de la pâtisserie. Donc on a imaginé une petite croquette de chocolat, on appelle ça un kromeski. C'est une petite ganache légère qui est panée et qui frit après par la suite. On y rajoute un petit confit exotique et une râpée de citron vert. Bonjour, enchanté, Christophe Sportellini, athlète culinaire pour l'équipe nationale de pâtisserie en route vers la Coupe du Monde 2025. Chef pâtissier depuis 33 ans dans ce fabuleux métier de l'artisanat gastronomique. Je me suis réapproprié un macaron mélangeant la noisette et l'amande. La noisette pour désucrer ce macaron qui sera garni avec une mousseline de foie gras et pour apporter un twist pâtissier recouvert d'une petite fine de chocolat mi-amer. For me, I consider culinary like an art form because it's a way of expressing yourself. I find inspiration from different shapes and colors, from going from a walk, from looking at a painting, going to a museum, and just pulling inspiration from all types of walks of life and everything that you kind of come across. La gastronomie pour moi, c'est comme de l'art. On s'en inspire tous les jours et c'est ce qui nous inspire dans notre travail de création et de recherche aussi également. Alors la restauration comme 11e art, pourquoi 11e? Pourquoi ne serait-il pas premier, vu qu'on tout le monde se rassemble autour d'une table ce soir, qui fait que c'est un art majeur pour moi et non pas seulement le 11e. Je pense que l'on peut amener ça comme un art, encore une fois, majeur qui mérite d'être mis beaucoup plus en avant.